En gros, si c'est pour se taper que des vieilles et des tons comme lui, à quoi ça sert de passer sa vie à publier des poèmes dans des revues de merde, hein? Ça, c'est pas de moi, c'est du Houellebecq. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas? C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Que penses-tu, Stéphane, de l'affaire Gabriel Matzneff et Vanessa Springora? Vous avez été nombreux à m'en parler depuis quelques jours. J'ai décidé, comme à mon habitude, de ne pas me défiler, mais de vous faire une réponse en deux temps. Aujourd'hui, on fait une vidéo courte sur le thème même de la tourmente, de la tornade médiatique qui est le consentement. C'est également le titre de son livre éponyme. Et dans un second temps, selon l'influence et selon la répercussion, selon le bruit que fera cette première vidéo, hein, c'est-à-dire le bruit, ça va être simple à mesurer, ça va être vos partages, ça va être vos commentaires et vos pouces levés, baissés, eh bien, éventuellement, on sera un petit peu plus bibliographique et on se plongera plus en profondeur dans la vie, la carrière de Gabriel Matzneff, dont j'ai découvert à cette occasion que c'était un proche d'Henri de Monterland, qui est un de mes écrivains préférés. Je l'ignorais, proche jusqu'à, je crois, être de ceux qui ont dispersé ses cendres, c'est-à-dire qui ont exécuté ses dernières volontés en dispersant ses cendres après son suicide. Je l'ignorais, alors ça fait partie, ça contribue à m'intriguer, à me pousser à faire une relecture chronologique de son œuvre. En tout cas, pour l'instant, à ce jour, je n'en sais rien, j'ignore tout de Gabriel Matzneff. Pas de délit d'initié, je ne fais partie d'aucun de ces cercles, je ne dispose d'aucune information dont vous n'auriez déjà eu écho par la presse, simplement puisque vous me demandez ce que j'en pense, je vais vous le dire avec deux, trois petits concepts glissés avec désinvolture au cours du chemin, ce qui permettra aux plus indécis d'entre vous de se faire un avis sur le sujet de sa relation avec sa présumée victime dans le cadre de son présumé viol sur la présumée auteure et éditrice Vanessa Springora. Alors, en deux mots, pour moi, c'est la percussion de deux logiques, ou plutôt ce sont deux logiques dont la force s'additionne et ont participé à le désarimer de son arbre, de son tronc, la logique de la famille et la logique de la vie d'artiste et de la rétribution symbolique. Alors, la logique de la famille, c'est quoi? Une famille, psychosociologiquement, c'est une corporation dont l'intérêt de la cohésion est supérieur à l'intérêt des individus, hein, c'est-à-dire c'est ce qui notamment explique le nombre de l'omniprésence de ce qu'on appelle les secrets de famille. Les secrets de famille, c'est quand tata a volé de l'argent ou tonton a touché la petite nièce, eh bien c'est un secret tacitement, enfin secret tacite, c'est une répétition, c'est une lapalissade, mais c'est un secret coûteux à garder, hein, donc c'est pesant pour les membres de la famille. Simplement, il serait encore plus pesant de le révéler, car en réalité, la force des dissensions que ça créerait exploserait les liens et atomiserait les individus, hein, et donc, du coup, ils perdraient le bénéfice, l'usufruit du réflexe familial de protection, d'entraide. De disponibilité, les familles en général où les secrets sont révélés, eh bien d'emblée, il y a partition entre les opposants et les défenseurs, il y a partition entre en gros, les pro-tata, les pro-tontons, ceux qui vont accréditer la thèse du plaignant et ceux qui vont plutôt par principe, par réflexe, prendre la posture de l'accusé, enfin, se mettre de son côté, tout simplement. Et donc,
pour éviter une partition qui généralement est définitive ou quasi définitive, eh bien chacun prend sur soi d'accepter de contourner l'interdit, un peu comme un tennisman tourne autour de son revers quand il ne fait que des coups droits, ou tourne autour de son coup droit quand il ne fait que des revers. Et bien là, on va tourner autour de « the elephant in the room », comme diraient les Anglais, c'est-à-dire cette anecdote dramatique omniprésente dans les esprits, mais dont on évite de parler, au bénéfice, encore une fois, de la cohésion du groupe. Donc la première logique, hein, car rien ne peu d'éléments médiatiques et médiapolitiques sont monodéterminés, il n'y a rien qui vient d'une seule cause. Matt Sneff n'est pas tout à coup la cible de l'ensemble du PAF ça ne s'explique pas par un seul déterminant, il n'est pas tombé par hasard. C'est, comme je disais, la percussion de plusieurs logiques. La logique que tout le monde le savait, mais qu'en réalité, pour préserver la cohésion du gratin intellectuello-littéraire, eh bien, il faut que chacun se taise sur les dossiers de l'autre, car en réalité, ces dossiers sont pléthores. Enfin, il y en a des dizaines, des centaines. C'est par définition l'univers où les amours se vivent cachés. Et pourquoi se vivent-elles cachées? Justement, ça va être en partie expliqué par mon deuxième concept, qui est la logique de la gratification symbolique. Alors, c'est un peu évident à dire comme ça, mais je ne suis pas le seul à le penser. Pierre-Michel Menger, le sociologue, qui enseignait à l'EHESS, mais qui a participé indirectement à la supervision de mon mémoire à Sciences Po, disait... le problème de l'artiste, c'est qu'en réalité, ses revenus économiques et objectifs sont beaucoup plus faibles que ce que pensent les spectateurs qui l'adulent sur scène ou sur l'écran. Et donc, en réalité, l'artiste résout ce grand écart mental, cette espèce de schizophrénie entre le statut qu'on lui suppose et son statut économique réel. Il comble, enfin, il évite de se faire un claquage des adducteurs, il évite la schizophrénie totale en se rétribuant symboliquement. La rétribution symbolique va être les invitations au gala, un certain nombre de préséances qui lui seront faites quand il sera à la recherche d'un service. Les artistes ont beaucoup d'amis, sont très invités. On leur rend volontiers service, on leur accorde volontiers un petit peu plus de découvert, on les héberge un petit peu plus volontiers quand c'est nécessaire. Voilà, donc ça c'est la gratification, et puis également leur nom est passe un peu plus à la postérité, on leur sourit, on les salue, on les sollicite. Ça c'est la gratification symbolique, et c'est ce qui tient lieu de la gratification économique manquante, hein. Si on creusait sérieusement le sujet de la rétribution et de la gratification des vrais artistes, hein, c'est-à-dire pas de la bande d'ultra, ultra, ultra privilégiés qui se sont fait roster au Golden Globe par Ricky Gervais récemment, mais si on parle des milliers d'artistes cotisant, faisant leurs 507 heures annuelles et cotisant aux organismes sociaux, on verrait, enfin, ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon mémoire à Sciences Po, justement, on voit qu'en réalité... La citation qui me semble décrire le mieux leur statut, c'est celle d'un collègue de Cochet, professeur de théâtre, également comédien, Pierre Trabeau, je crois qu'il s'appelait, qui disait l'art dramatique, c'est pas l'art qui est dramatique, c'est la vie de l'artiste qui est dramatique. Et parce qu'on vit difficilement de cacher, l'incertitude des revenus finit par peser sur le mental et la santé à la longue. Et en réalité, qu'est-ce que la gratification symbolique d'un homme qui finalement vit assez chichement, hein, parce qu'il faut savoir que quand on écrit des livres, c'est encore pire que quand on est comédien. Un livre, ça rapporte entre 1 et 2 euros à son auteur par exemplaire vendu. Donc si vous voulez savoir ce que Gabriel Matzneff a gagné au cours de sa vie, vous prenez ses ventes et vous soit c'est son gain en euros net, soit vous multipliez par 2. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est peut-être loin de l'idée qu'on se fait... encore une fois, des revenus d'un auteur primé.
Eh bien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vivent dans des HLM, dans des logements d'artistes à tarifs ultra privilégiés. C'est pas le seul, hein. On a sorti l'histoire de son logement, enfin de son studio à Saint-Germain-des-Prés à 300 euros. Je connais énormément d'artistes qui bénéficient comme ça de logements dans des quartiers chics à loyer modéré. C'est une prérogative qui ne lui est pas particulière, c'est très fréquent. Eh bien, là, il est évident, il est fatal. Il est inévitable que la rétribution, la gratification symbolique d'un dandy, quadra ou quinquagénaire, ça soit d'accéder à des femmes très jeunes. Hein, voilà. Après, bon, bah, évidemment, 14 ans, ça tombe sous le coup de la loi, c'est pénal. Et voilà, moi, encore une fois, j'ai aucune dilection pour Maznev, ni à titre artistique, ni à titre personnel. Simplement, c'est inévitable, et même Houellebecq l'avait écrit je crois que c'était dans Plateforme, si je ne m'abuse, en tournant à la dérision Solers, Philippe Solers, à propos de qui il écrivait, finalement, si c'est pour se taper, je vous le cite de mémoire, mais vous pourrez confirmer en commentaire si vous la retrouvez, en gros, si c'est pour se taper que des vieilles et des tons comme lui, à quoi ça sert de passer sa vie à publier des poèmes dans des revues de merde, hein? Ça, c'est pas de moi, c'est du Houellebecq, quasi dans le texte de mémoire. Donc, l'accès à des prétendantes pubères, mais pas de beaucoup, et sera ad vitam. Aussi longtemps que l'humanité subsistera, ce qui sera peut-être pas encore pour très longtemps au vu des continents actuellement ravagés par les flammes, hein, on se croirait presque dans Ravage de Barjavel en ce moment en regardant ce qui se passe du côté de l'Australie. Bref, aussi longtemps que nous subsisterons avec notre résilience de pucerons, eh bien, on verra des artistes sous les feux des projecteurs, des prix littéraires, des scènes de théâtre, résoudre leurs psychodrames internes, leur schizophrénie économique, en se gratifiant symboliquement de l'aura que leur confère leur œuvre et en transformant cette aura, en la mettant à profit. Eh bien, pour faire des rencontres qui leur échapperaient dans la vie réelle. Alors, pour des messieurs d'un certain âge, ça va être avec des très jeunes femmes. Pour des très jeunes femmes, ça va être avec des industriels, des entrepreneurs, des aristocrates ou des anoblis récents, hein, de type rouquin de la famille d'Angleterre. La rétribution symbolique de celui qui accepte d'être sous-payé artistiquement, c'est d'accéder à l'interdit sexué. Voilà. Voilà les deux éléments d'analyse que je souhaitais apporter à cette affaire en deux mots. Encore une fois, selon l'intérêt que vous présenterez sur ce cas, c'est-à-dire on va simplement compter les pouces, les commentaires et les partages, eh bien, je détaillerai ou pas la vie de Gabriel Matzneff et nous verrons ce que nous en sortirons comme petit cookie croustillant. Voilà, à vous de jouer. Quand on n'a pas fait de vidéo depuis longtemps, on est rouillé, je suis rouillé.